Lundi 8 mai 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Channel Paul Attaque 509. C'est TAC Info 509 qui est entré la caillou. C'est premier paraître nous pour ce maintenant. Déjà, nous avons bonne semaine d'information sur Channel Paul. Et nous pas besoin suspendre, continuer à abonner, continuer à liker. Et puis, continuer à partager pour permettre avec tout le monde, quel que soit côté, pour être capable de gagner toute information. Mais quelques principales titres pour nous développer dans le journal la matinée. Détachement BLTS qui basé dans l'aéroport arrêté vendredi en 5h dominicain dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture par d'autre après dans pays Bahamas. République dominicaine t'a cherché ressortissant sa yo pour trafic de drogue faux usage faux. La police dominicaine a annoncé arrestation yon ressortissant haïtien yeye ainsi connu. Autorité dominicaine yon présenté comme membre gang 5 secondes yon posé la patte sous li dans secteur Padre Granero dans Preto Plata. Saint-Paul Dafka, superviseur caisse ak Catherine Kathleen Barochin, directrice opération dans Sojibank, joint arrestation yo pour détournement l'argent client banque là qui évalué $132,000 vet. C'est direction centrale la police judiciaire qui posait la patte sou yo. La police continue à actionner zone en bas la ville. La police nationale continue à intensifier opération tout partout dans un pays. Dans le sens, la force l'audio renforce la présence pendant tout le week-end dans le village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées avec la section Angel Louan qui mobilisait une série d'opérations qui visaient débattre tout foyer gang qui établit basio dans la zone sa yo et puis penser yo capable de terroriser la population. L'autre information nous a gagné pour nous développer dans le journal la matin à cause du mouvement Bois Calais qui a pris territoire chaque jour, mon Dieu, mettait depuis plusieurs semaines dans le pays. Nèg examen yo paniqué, yo décidé, ouais, stratégie yo. Dernier jour, ça yo, quelques là d'ailleurs déguisé en machin qui a promené dans diverses zones, dans la région métropolitaine. Population en rive les plusieurs là d'ailleurs kaki récent c'est dans meilleur côté population poser la patte sur Yunland d'ailleurs vendredi c'est meilleur n'a répondre venir avec plus de détails avec information ça pour gain directeur général Radio Lumière dans Sony Lamar Joseph qui confirme nèg exam assassiné dans la nuit vendredi pour l'ouvrir samedi dans Onaville Paul Jean-Marie qui était gain 67 l'année qui était un membre personnel radio a l'étape travail dans radio a depuis 20 l'année il était animé émission une voix dans la nuit. Rectoire à l'Université d'État d'Haïti a annoncé création yon commission provisoire restructuration dans l'école droit ak sciences économiques OCAL ETSEC. Selon ce qu'il est ça, rectoire a publié commission sa gen 4 membres là-dedans parmi eux professeur Faltinor Patrick Douillon comme coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint ak zafè académique. Secteur sous-traitance là textile là perdit presque 10 000 emplois dans espace 6 mois entre mois septembre 2022 ak mois mars 2023 à cause phénomène insécurité et puis rapme gaz répété qui gagne sous marché local là qui donc dans pays d'Haïti. L'autre information n'a pas pour développer dans le journal la matin, plusieurs bureaux de transfert fermés, déjà fermés portions dans la commune Kafou, avec l'autre qui fonctionnait dans ralenti parce que y a des difficultés pour y capable de faire transfert, soit en dollars ou bien en goud, y a obligé d'attendre éventuel renfort, y a obligé d'attendre pour y capable de joindre l'argent pour y capable de renflouer question, y a divers dans divers bureaux de transfert nous passé, c'est en pile monde. Quelques petits grains qui l'ouvrent pour yo, c'est un pile moun qui toujours là, grand bonnet, capé en ligne, puis capable de joindre si l'argent proche voyé pour yo qui sorti à l'étranger. Zami internautes, c'est point ça avec diverses les autres qui pral fait essentiel dans le journal la matin, pas oublier n'a pas diverses rubriques pour nous capable toujours porter information pour red brancher, n'a pas retourné. Yon l'autre fois, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous capable porter pour développement au journal là. N'a pas journal, ça arrivé possible grâce à Clévé Campé, toute équipe, sa nouvelle là, coordination avec rédaction, Josué Bellamour, micro-présentation, Jean-Wilner Sévère.
Nous, pas besoin de suspendre, continuer, abonner, partager et puis like channel là. Surtout très heureux, nous là pour nous capables d'informer. Nous pouvons ça chaque jour, mon Dieu, mettez avec tout un journaliste nous qui toujours mobilisé, reporter nous correspondant nous toujours mobilisé pour capaboter toute information pour TAC Info 509, sous TAC 509. Nous là pour ça pour nous capables d'informer. Bienvenue dans Développement Journal là. J'ai noté annoncé ça dans notre site journal. Ça fait plusieurs jours. La police a sillonné zone en bas la ville. La police continue à intensifier opération tout partout dans le pays. Dans sens ça, force l'ordre renforcé présence pendant tout week-end, vendredi, samedi et même journée dimanche là, dans zone Savane Pistache, surtout dans village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées ak section Angelou qui mobilisaient une série opérations qui visaient démanteler toute gang qui établit base dans zone ça et puis penser au capable terroriser population. Coordination presse ak relations publiques police nationale là à travers section audiovisuelle là sur toutes réseaux sociaux yo page officielle Facebook PNH au capable toutes quelques séquences images sous déploiement la police là surtout dans zone stratégique surtout village de Dieu. Toujours dans sacré avec arrestation qui fait avec information qu'il est avec PNH là. Gagné la police dominicaine qui annonçait arrestation yon ressortissant haïtien qui présentait comme membre gang 5 secondes. Yeye ainsi connu interpellé dans secteur Padre Granero dans Preto Plata. Et si yeye ainsi connu présenté comme membre gang 5 secondes, la police posait la patte sous lui dans République dominicaine. La police arrêté lui dans secteur Padre Granero dans Preto Plata, d'après information presse dominicaine. Selon information porte-parole direction régionale Nord, Raphaël Messon, arrestation gangster ça, c'est résultat enquête direction régionale Nord, police nationale dominicaine menée. N'a pas tourné en Haïti, si gen police dominicaine qui a arrêté ressortissant haïtien, et ben en Haïti, gen autorité policière qui a arrêté tout dominicain. Détachement BLTS DCPJ qui basé na aéroport en procédé vendredi 5 mai à interpellation 5 ressortissants dominicains dans aéroport Toussaint Louverture pendant yo tap essai ranyo na pays Bahamas. Yo te activement recherché par autorité dominicaine yo pour trafic stupéfiant faux ak usage de faux identité au CQS en nous cité 5 ressortissants dominicains sa yo la police haïtienne posé la patte sou yo gen Eustate Santos Rafael Veles Taveras Lincoln Americo Rivera Bugos George Luis Caceres Vasquez David Flores Cavasco Claudio Ernesto. En nous réciter 5 ressortissants dominicains, ça y est, la police haïtienne posé la patte dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Il y a une accusation sous doyo, trafic stupéfiant, faux ak, usage de faux, identité aussi. Estate Santos Rafael Veles Taveras Lincoln Americo Rivera Bugos George Luis Caceres Vasquez David ak Flores Cavasco Claudio Ernesto. Nous pral parler dossier qui lié avec information qui lié toujours information bois calé puisque bandio utilisé yon l'autre stratégie. Yo mette rad sou yo normalement, yo prend la ri, yo prend pause, yo se machin ka promene. Soit yo prend pause, yo se machin de l'eau. N'après la semaine dernière, nous te ba information ça. Côté moun nan Stenio Vincent, nan localité Jalousie, nan commune Pétionville, te touye 5 présumés bandits, yo te pren poz, yo se machan de l'eau, yo ap sikule nan zon nan lorsque yo questionne yo, c'était neg Timakak, nou konnen la police nan opération te fè nan la boule 12, Timakak te bwè glo bouch li. Monsieur sa yo te soti nan base Timakak, yo te vin refugié nan localité Stenio Vincent, Jalousie. Yo pren poz mette rad sou yo, ya promene sa ki pren poz, yo se machan
marchand de l'eau, ça qui propose aussi marchand de papadap, population dans localité sa yo, te fait yo bwè de l'eau bouchou. Mais à cause d'un mouvement bois calien qui a pris territoire chaque jour, mon Dieu, mettait depuis plusieurs semaines, bandi yo senti yo paniqué. Yo utilisé yon l'autre stratégie. Dernier temps sa yo, quelques ladan yo déguisé en machan qui a promené. Plusieurs ladan yo, mob nan population civile la démasqué. Ka ki pi récent, li enregistré nan Mayotte vendredi 5 mai. Yon individu qui fait tête li passé comme yon machan qui a promené, li te gen yon récipient qui gen ladan certains produits tan kou kadna, alimet, li tap sillonné plusieurs kadse qui nan Mayotte. Nan l'idée pour capable joindre information nécessaire sous configuration zone. Après yon interrogatoire, li avoué li te deux passages nan zone pour capable prendre information pour capable constater si gen présence policière ou bien si gen brigadier nan zone qui sous place. Après révélation ben mob nan population tiré à plusieurs reprises sous li pas touché. Après, yo fin tiré plusieurs fois sous lit. Li pa pren balle, population qui était en colère, lapidel qui donc voyait en pile coup trois sous lit, coup de bloc. Après ça, yo mette di fe sous col. Stratégie déguisement ça utilisé à cause exécution dernier jour ça yo divers moun qui a servi comme informateur bandi dans quartier région métropolitaine Port-au-Prince là. Informateur sa yo, yo deja fait voile pour pays sans chapeau, gelot ki koui Prenville province. Malgré Prenville province, grâce à concours population, policier nan département côté yo al, yo pren la fuite là, mais la police pose la patte sou yo. N'a pas appelé Gutler Saint-Éloi, yon présumé mob gang qui te fait tête li passé pour yon moun qui kon nettoyer soulier. La police te posé la patte sou li nan Paco lundi 27 février 2023 pendant ta pren pause a suyer soulier pour moun, a nettoyer soulier pour moun. Li te servi antenne pour kidnapper qui a opéré dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Gutler Saint-Éloi te fait tête li passé comme yon Jean nous connait le boy site comme yon chay dans l'idée pour capable pi bien contrôler moun qui cible yo, ensuite pour capable voyer information by acolyte yo. D'après la police qui te présenté individu ça dans yon vidéo li te posté sous page Facebook officiel yo. Nous pral ba ou l'autre information toujours avec moun la police rivé arrêté. Gagne deux employés Soge Bank la police arrêté pour détournement, tendez bien, $132,000. C'est Dafka Saint-Paul ak Kathleen Baochin et deux individus sa yo la police arrêté yo parce que yo détourné dans Soge Bank $132,000 américains. Somme comme ça yo volé li pou client qui fait partie institution hein. C'est bureau affaires financières et économiques direction centrale police judiciaire qui t'est procédé à interpellation de accusé ça yo. Dafka Saint-Paul c'était superviseur dans caisse tandis que Kathleen Baochin lui-même était directrice opération dans Soge Bank. Yo accusé vol, complicité vol, association malfaiteur dans cadre d'une enquête direction centrale police judiciaire t'est ouvert suite avec diverses plaintes qui t'est déposées à cause divers clients dans Soge Bank t'est victime. En attendant recherche l'autre complice qui t'est guetté abandonné poste dans l'institution selon notre police nationale d'Haïti Dafka Saint-Paul ak Kathleen Baochin yo en garde à vue dans DCPJ poursuite procédure là. Nous allons continuer avec information yo nous connaît depuis quelque temps et nous te wè sur tout réseau social yo avec moun qui participent victime accident notamment ti moun qui absout l'école ou bien ti moun qui parents yo prend abonnement pour yo pour capable payer un chauffeur moto ou bien un chauffeur machine pour capable mener ou bien à chercher petit yo.
des organisations qui se stoppent accident qui là pour capable faire sensibilisation pour capable sensibiliser citoyens mais tout chaque semaine qui toujours ba un rapport sur ensemble de monde qui victime accident et c'est peut-être ça dans weekend organisation Stop Accident lancé une campagne sensibilisation dans milieu scolaire sous comportement yo doit adopter dans l'idée pour capable diminuer cas accident sur route yo en Haïti. Activité ça faite sous thème chemin sûr vers l'école. C'est sous thème ça activité ça faite. Projet ça visé sensibiliser écoliers, enseignants, parents, chauffeurs, motocyclettes ak l'autre usager voie publique sous nécessité pour gagner un comportement responsable dans l'idée pour capable réduire nombre accident circulation d'après docteur Garnel Michel qui s'est dirigeant Stop Accident campagne l'hypothé sous yon vingtaine l'école qui situé dans département l'ouest sud ak nord sensibiliser acteur yo à communauté éducative là capable contribuer dans diminuer cas accident circulation yo toujours d'après médecins. Il y a plusieurs partenaires qui n'ont qu'à le projet ça, tant que le ministère des Travaux publics, Transport, Communication, Banque Interaméricaine, Développement Croix-Rouge, qui supportait campagne ici-là, toujours d'après Garnel Michel, qui était dans le micro TAC 609. Je dis à nous présents dans le lycée Horacius L'Aventure, en façon pour que nous lancer un projet que nous gagnons. Et en campagne de sensibilisation en milieu scolaire, campagne là titrée Chemin sûr vers l'école. En fait, c'est parce que nous rendons compte que grand pile ti moun qui victime accident, grand ti moun qui mouri dans accident avec uniforme sou yo pendant ou pral l'école ou bien pendant y a saute l'école. Grand pile parents qui victime accident, grand pile ti moun c'est sous moto yo vinn l'école. Grand pile ti moun c'est à pied yo vinn l'école. Donc nous croyons que l'important pour que nous choisissions cible ça, pour que nous fassions campagne de sensibilisation ça, pour nous réduire quand c'était accident qu'a fait sur route nous. Donc c'est dans ce sens ça que nous là je dis pour que nous lancer projet. Mais c'est pas seulement journée ça qui gagne puisque c'est vraiment c'est sensibilisation sur toute reste année scolaire là côté que n'a travaillé avec élèves yo, n'a travaillé avec professeurs yo, n'a travaillé avec chauffeur moto qui dans zone là qui mène timoun yo l'école. N'a travaillé avec parents et tout qui mènent les timoun yo l'école pour nous montrer pour nous parler sur comportement tout bon comportement nous capable adopter pour cap diminuer quand cet accident qu'a fait sur route. N'a travaillé avec leader dans zone là, association dans zone là pour que nous faire formation. Donc formation ça ligue pour avec comportement sur moto, comportement loi conduire moto, comportement derrière moto parce que des fois c'est moun ki derrière moto a tout qui fait chauffeur moto a fait excès comme dit il fait rapide bal rive rete à l'école là parents yo la gè ti moun yo deux trois ti moun sur motocyclette des fois ti moun nan piti di pied pas même ka toucher côté pour déposer puis on monte motocyclette là donc nous ouais que faut que nous travaille avec cible ça donc et plus tout nous voulons travailler de manière globale tout avec tout usager voie publique là parce que si gon zone gen ti moun k'ap traverser, ça veut dire que zone l'école. Gen ti moun k'ap traverser, faut qu'on ralenti. Moi même moi gen de côté, gen de l'école qui prend le soin, yo signaler route là, yo mette barre blanche yo konn wè. Malgré ça, wè moto a passé à toute vitesse sous barre ça. Donc nous croyons que c'est nous toutes qui doit prendre formation ça, qui doit gen information ça yo en façon pour que nous konn comment pour nous comporter nous parce que ti moun yo pa ka continuer à mourir nan motocyclette. Mais dernier groupe moun ki doué sensibiliser sou question ça, c'est l'État. Parce que l'État doué prendre responsabilité, c'est parce que l'État a pas organisé secteur sécurité routière ça qui fait que nous gagnons tout accident ça k'ap fait. C'est parce que l'État a pas organisé qui fait que nous gagnons toute route crasée ça et puis nous pas prendre soin yo. C'est parce que l'État a pas prendre responsabilité qui fait pas gagne inspection que fait nan machine yo. Donc si moun n'ap vinn sou motocyclette la pas gagne lumière, motocyclette la pas gagne frein. Donc nous croyons que c'est extrêmement important et c'est pour ça il y a un élément qui est plus important dans l'activité ça n'a fait là c'est la presse là parce que n'a fait activité ça pour timoun yo mais parents yo pas là la presse ça qui permettre que parents yo gagne information ça donc c'est dans ce sens que nous là jodi a mais n'a continuer travail projet a c'est 20 écoles que nous choisi sur tout pays a nous gagne des écoles qui dans l'ouest nous gagne l'école qui dans sud, nous avons l'école qui dans nord, semaine prochaine nous avons dans nord, pour que nous fassions sensibilisation ça.
Donc son projet que nous faisons en collaboration avec BID et avec le ministère Travaux Publics. Bien entendu, il y a d'autres partenaires. Il y a le ministère de la Santé publique qui a supporté l'information qu'a fait. Voilà, au top côté, Dr. Garnel Michel, qui est une responsable Stop Accident, dans le cadre de sensibilisation, ça qui là, c'est dans diverses écoles, plus précisément dans une vingtaine d'écoles, dans le département l'Ouest, dans le département Sud, et Nord, dans l'idée pour sensibiliser tout acteur dans le secteur ça, pour capable diminuer le nombre d'accidents qui a fait sur route. L'autre dossier dans le journal là, week-end, c'était Journée internationale Femmes Sages. Pour marquer date ça, Association Sages Femmes d'Haïti organisait une cérémonie qui était déroulé en présence ministre conditions femmes et droits femmes non docteur Sophia Loréus sous thème ensemble pour nous avancer pour améliorer conditions santé sexuelle femmes yo ak adolescentes yo président association Yves Carmel Fanfan dans intervention plaider en faveur valorisation ak reconnaissance profession d'après madame Fanfan femme sage c'est poto mitan santé sexuelle maternelle ak néonatal yo li lancer un appel by partenaire yo dans l'idée pour capable continuer collaborer ak yo et puis pour yo continuer mandé responsable dans ministère santé publique yo pour créer un cadre légal qui pour réglementer et puis valoriser métier sage femme nan dans l'idée pour réduire taux mortalité infantile ak maternelle yo en dans pays. Gagné ministre conditions femmes ak droit femme nan docteur Sophia Loréus qui était présent dans occasion rappelé wall journée ça c'est mettre en valeur profession sage femme nan titulaire si ministère dit regrette profession ça qui pi ancien négligé dans système santé an. Pourtant c'est une profession qui gagne en pile compétences scientifiques ak médicales d'après Sophia Loréus qui invitait tout secteur pour investir dans l'éducation sage femme yo en côté docteur Sophia Loréus qui était dans Micotac 509. Depuis des décennies, les sages-femmes renforcent les soins de santé primaire, font office de point d'interconnexion essentiel entre les femmes et le système de santé, rendent la grossesse et l'accouchement à moins de risque et plus sûr. De ce fait, on ne saurait sous-estimer leur contribution à l'atteinte des objectifs durables et à l'instauration de la couverture sanitaire universelle. En effet, loin d'être une accoucheuse traditionnelle, la sage-femme est une profession de la santé dotée de compétences scientifiques et médicales acquises. En Haïti, où il y a médecin obstétricien gynécologue pour environ 12 000 habitants, la réponse à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, à l'augmentation de la couverture de soins prénataux et la proportion d'accouchements assistés par des professionnels de santé qualifiés, c'est la sage-femme. De plus, intégrer pleinement dans le système de soins de santé et bénéficier de l'appui nécessaire, les sages-femmes sont en mesure de mener à bien un large éventail d'interventions cliniques, contribuant ainsi à l'atteinte d'objectifs de santé au sens large. En effet, l'état de santé des groupes cibles, femmes, enfants, familles, qui dépendent des sages-femmes, est actuellement des plus préoccupants car l'insuffisance et l'inégale répartition de ces professionnels à travers le pays constituent un goulot d'étranglement pour l'offre de services de qualité, surtout pour les plus défavorisés. La femme étant au cœur du développement, il est impératif qu'elle jouisse de meilleurs états de santé et surtout la santé sexuelle et de la reproduction, non seulement pour son plein épanouissement, mais aussi pour sa contribution au développement de notre pays. Aussi demeure-t-elle un maillon incontournable de la mise en œuvre de santé, de la reproduction pour l'atteinte de l'ODD 3. Mesdames, Messieurs, investir dans les sages-femmes, c'est reconstruire un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement est sans risque. Tout comme les autres catégories de professionnels médicaux en Haïti, elle travaille dans toutes les institutions offrant les soins maternels et néonatales, publics ou privés. Elle améliore les résultats de santé, renforce la satisfaction des patientes et réduit les coûts. Pourtant, cette profession qui compte une grande majorité de femmes
est souvent sous-payé et dévalorisé. Face au constat relatif au rôle des sages-femmes, nous devrions donc confirmer la pertinence de ce noble métier en dressant l'état des lieux, prendre les mesures appropriées et protéger les droits de ceux et celles qui donnent ce service malgré les moments difficiles que vit notre pays. Nous encourageons les gouvernements, les institutions, la société civile et les partenaires à investir dans l'éducation, le recrutement, la réglementation et la protection des sages-femmes. Voilà, au top côté, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, qui était présent dans le cadre d'activité, ça qui était fait pendant le week-end. Week-end qui était marqué Journée internationale Femmes Sage. Pour marquer date, ça, l'association Sage Femmes d'Haïti a organisé une cérémonie qui était déroulée en présence du ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Dr. Sophia Lorius, sous thème Ensemble pour nous avancer pour améliorer les conditions santé sexuelle femmes et adolescentes. Dossier éducation dans le journal. Gain coordonnateur UNOA, professeur Josué Merilien, qui lance un ultimatum par le gouvernement pour chiter ensemble pour capable résoudre le problème en CIO. Sinon, il y a pour mettre démission. Syndicaliste qui dénonce ministre éducation et formation professionnelle là, qui d'après les cas fait show-off dans tête ministère et qui a fait diversion pour créer un mouvement en CIO, m'a dit enseignants, élèves et parents toujours été mobilisés jusqu'à ce que les revendications arrivent satisfaites. En côté Josué Merilien, dans le micro Josué Belamour. Nestaniga, quoi faire? Aïlandi, tout est-ce que tu dois être incompétent? Si ça, je veux une solution ou bien je batte derrière eux. Parce que dès que ça touche gros comme verbe là, verbe là permis, professeur, là vous avez 3 semaines, tu ne vas pas rien. Ça dit 2 semaines, vous avez des amis pour rencontrer, vous avez dit, nous ne parlons pas de film, nous parlons de show-off, ça fait derrière. Si la négocier, on a des conditions pour négocier pour nous sortir en bagaille. Pour la jouer tout en ce qui est dans l'état, on ne devait pas dire que nous savons que nous avons une solution. Deux, nous disons un comité d'arbitrage avec des gens sérieux, honnêtes, qui pour empêcher que nous fassions courir. Tout est clair, de transparence. Trois, tout syndicat qui est impliqué dans la mobilisation. Qu'elle ne va pas à l'eau nationale, doit tout table de manière, par exemple, en partage, pour être capable de passer à négocier l'intérêt de l'éducation de l'intérêt de pays. Sans ça, je te dis que je vais aller rapidement, d'après l'aide, pour négocier. Ça fait plus de 2 semaines, Maniga, au lieu de consulter à négocier avec tout le secrétaire d'État, une solution, je vais prêter à payer, ça veut dire, des sous-sous, des tools pour faire diversion. Vous faites la vie de casser vos vents, ou un casser fort, qui va casser tout ça. Contrairement à ça, on va passer. Donc, c'est peut-être ça, parce que je suis conscient du fait que, fort nous continuons à mobiliser, et à se mobiliser, et vraiment, ça a lui-même, il est insouciant, il est capable, à la vie de l'ennemi, et oui, comme ça, on va faire ça rapide pour nous trouver nos solutions, enseignants, élèves, parents, tout acteur qui vous guette, après, pas de chaque barré derrière, ni l'esprit, ni pas avec, qui fait couper la chéla, ni comment faire une détente à toute équipe là, pour nous barrer, parce que c'est un peu comme ça, nous avons pris le service pour le projet. Donc, sans semaine, car tout va camper. Et sans ça, enseignant, élève, tout avec l'équipe là, bref, pour qu'on soit avec quel que soit, qu'on sait, j'ai compris, c'est comme une palette. Camper sur toute mobilisation ça a marché et qui doit aboutir à des résultats intéressants pour l'éducation en général, pour le scénario, pour le pays globalement. Nous avons toujours été avec Josué Merilien, mais fois ça c'est sous dossier, l'autre dossier. Coordonnateur général UNOA, professeur Josué Merilien, fait qu'on a pris passage à Premier ministre là, qui m'a dit population était tête fouette, groupe Améovine, puis Aoga. L'inancé un appel à la population pour continuer avec le mouvement Bois Kalea. Les souhaiter mouvement ça orienter tout sous gang à Vessio tout pour mouvement Bois Kalea capable réussir. En côté une autre fois, Josué Merilien, toujours dans le micro, Josué Belamour. Si nous considérons le volume crime, le volume kidnapping, le volume massacre que nous avons fait, et nous mettons après Ariel, il dit que faut nous arriver à cette fête pour que nous mangeons. Pour quelqu'un de cette fête qui te massacre, nous voyons grandiose, c'est-à-dire, message par joyeux,
Je vis bien lâché. Mais c'est pas ça que là, après, message Ariel là. Donc, pour nous connexion, un message par le noyau Ariel et ça qui a fait tout là, du côté où il y a un masque à faire. Parce que par le noyau assurance, que le peuple avait tête prête, et là, tu as fait tout policier qui a appuyé vite le peuple là. L'entrée, de façon que, quand nous avons gagné, pour que j'ai voulu manger, pour que j'ai population qui a fait là. La vie va tout pour nous. Mon propre statut là, il me balle. Qu'il me résout rapidement. Tout le monde qui vous gagne, tout le monde qui n'est pas d'accord pour que vous mettez pour que vous mettez en nous devons protéger pour nous réfléchir, une stratégie pour que nous soyons orientés dans le sens pour la base de la gagne à sa patio, nous devons accorder. L'école gagne à l'école, commencez, une sa patio, et sa patio, puis être toujours. Donc, pensez, pour ta fête, pour la police. La police qui va nous gagner, la police qui considère que nous-mêmes, tout, la victime de la gagne, tout est protégé avec le peuple-là, après le peuple-là, pour le peuple-là, c'est que nous sommes arrivés, ni sous gagne à sa face, ni sous gagne à la colle. Et ça, c'est la sortie. La fille vous dit que n'a pas besoin de trois conditions pour que nous sommes réussis. Trois conditions pour que nous sommes réussis. Prenez conditions, il faut que nous puissions nous amuser. Il faut que nous éviter des victimes. Qui n'est qu'il faut éviter à ces dérives. Des PHTK, des gâtes même, quel côté on dit qu'il existe des mouvements pour casser. Nous comprenons, bien que c'est oublié politique comme vous, ou bien politique face américain, comme c'est aussi oublié politique d'origine. Nous voyons que, quand le conseil va y gagner, c'est que le diable est en moins, si que le pays avant de la guerre civile. Mais il y a ce massacre, la Saline, il y a ce massacre, et sous cette là, il y a ce massacre dans Verret, il y a ce massacre dans le côté de la France, il y a rien qu'à la civile. Parce que c'est pour le travail. Pour arriver au pays, la côté de l'Ivelle là, pour que Haïti va respirer. Nous parlons avec dossier éducation. Nous te permettons de côté une première fois quelques interventions. Josué Mérilien, sous ensemble grève enseignants lancés, nous parlons de la cinquième semaine, puisque semaine qui s'est passée, c'était quatrième semaine. Nous avons rappelé revendication enseignants, c'est puis bon condition de travail, augmentation salaire, et puis après ça, pour nommer divers enseignants qui, depuis plusieurs années, qui sont dans ce secteur-là, qui par jamais qu'à nommer. Gagné ministère éducation nationale Nesmi Maniga qui te rend une visite pendant le week-end, puis précisément vendredi, dans l'école nationale République des États-Unis d'Amérique qui trouvait dans Bois Patate Canapé Vert. Pendant visite ça qui visait soutenir notamment du point de vue et sur le plan psychologique établissement scolaire public ça qui était affecté suite avec dernière scène violence qui était enregistrée dans Canapé Vert nous songer avec ensemble individu population Canapé Vert là tes jeunes qui était gezam sou yo ça qui d'après lancer mouvement bois calé et nous connaît l'école République des États-Unis d'Amérique qui trouvait le Canapé Vert n'est pas trop loin. Place Canapé Verlan. Et non seulement ça, attaque qui était faite dans le début de la journée, il y a un peu de monde qui est dans l'école là, il y a des parents, il y a des proches qui ont perdu dans l'attaque. Il y a un souci pour capable porter un appui psychologique, il y a un ministre de l'Éducation nationale là, avec la formation professionnelle là, qui est à l'élève, élève ça y a une visite, parents et enseignants autour qui dans l'école avec responsable pendant visite ça et responsable ministère éducation nationale là t'es accompagné responsable représentante spéciale adjointe secrétaire général Nations Unies en Haïti madame Ulrika Richardson et puis gagné tout représentant UNICEF là en Haïti Bruno Maes agent la police avec deux membres association haïtienne psychologique. Moi vini là pour me capable encourager direction l'école là enseignant timoun à travers et par timoun yo et encourager parents yo tout d'après ministre Nesmi Maniga qui rappelait pour année académique 2022-2023 l'école a perturbé en pile à cause insécurité zak violence qui gagne dans quartier populaire yo notamment dans région métropolitaine Port-au-Prince là ak certaines localités qui trouvent dans département la Tibonite nous ka cité Tirvière la Tibonite ak Liancourt en côté Nesmi Maniga pour plus détails. Nous sommes dans une année académique extrêmement difficile. Vous savez, on a dû remanier le calendrier scolaire. On vient de boucler pratiquement, allons dire, environ 5 mois. Il reste environ 2 mois, donc 9 semaines pratiquement, on va dire.
pour la tenue des premiers examens officiels de la 9e année fondamentale et le baccalauréat qui va se tenir du 31 juillet au 3 août. Et aujourd'hui encore, malheureusement, ces dernières semaines pourraient être hypothéquées si la situation sécuritaire se dégrade. Et nous sommes très heureux de l'appui moral, mais de l'appui aussi de ses partenaires à différents niveaux qui accompagnent le gouvernement haïtien et qui accompagnent le ministère de l'Éducation haïtien, notamment vous voyez Edupol qui est présent et qui a récemment bénéficié d'un support des Nations Unies à travers l'UNICEF. Et nous travaillons sur d'autres plans. Nous travaillons actuellement sur un plan de tout un programme de récupération, d'accélération des apprentissages, parce qu'il va falloir que samedi, dimanche, on se mette au travail pour que les enfants récupèrent les jours où ces enfants n'ont pas pu être là. Mais le drame qu'on vit, qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces générations exposées à cette violence risquent de reproduire cette violence si on ne s'attaque pas véritablement à la dimension santé mentale. Donc la présence de l'Association haïtienne de psychologues est témoin aussi de l'intérêt du gouvernement, du ministère des partenaires à prendre en compte cet élément parce que ce qui se passe est dramatique dans la vie d'un pays. On n'a jamais été habitué à autant de violence dans le pays et je crois qu'il faut tout faire pour que l'école qui reste pratiquement l'un des tout derniers remparts, l'un des tout derniers espaces de vie sociale, de vie où la communauté se réunit, garde, disons, une partie de cette mission. Donc, c'est un peu le sens de notre visite de ce matin. Ce n'est pas la toute dernière. On gère en même temps l'urgence, on gère en même temps les chantiers de transformation. Je profite de la présence de la presse, justement, pour dire qu'il reste encore quelques jours pour que les écoles puissent continuer à s'enregistrer en ligne, pour que les écoles puissent inscrire leurs élèves aux examens de 9e année fondamentale. C'est très, très important de en même temps gérer les urgences, la question sécuritaire qui ne peut plus attendre, mais aussi ne pas oublier que le pays n'est pas fermé, qu'il faut absolument qu'on sauve l'année scolaire. Voilà. En général, la première chose, c'est le soutien. Je pense qu'on est là pour encourager la direction, pour encourager la directrice qui nous a accompagnés dans ces différentes visites. Et pour eux, disons, c'est une école qui a été lourdement impactée. On parle de canapé vert, avec une grande partie des enfants viennent de Cité Gabriel. On sait ce que ça représente. Et c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés à dormir la nuit, donc c'est extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi on tient compte un peu de tout cet environnement pour que l'apprentissage, on tient compte de l'ensemble de ces défis. Donc c'est la première chose. Évidemment, les partenaires ont profité de l'occasion pour distribuer des kits scolaires, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les élèves. Mais au-delà de la question matérielle, cette présence c'est vraiment une visite de soutien, d'engagement, pour dire qu'on est là, ils ne sont pas seuls. Directrice républicaine des États-Unis d'Amérique, là, fait qu'on est sacté passé dans le canapé violent, il y a une grosse conséquence sous présence de Timounio, parce qu'il y a un pile là d'ailleurs qui parvient à l'école là. D'ailleurs, un pile là d'ailleurs, il y a des parents qui sont victimes, les bandits ont attaqué Turjo, canapé vert avec Debussy. Magali Georges souhaitait une diligence qui fait pour capable accompagner Timoun Sayo. En côté Magali Georges pour plus de détails. Et nous sommes bien contents de recevoir visiter le ministre et partenaires parce que c'est bien que vous venez garder en direct les difficultés que l'école a gagné, que Timounio a gagné, que la communauté a gagné. Donc c'est important parce que pas oublier, l'école a desservi une communauté qui connaît vraiment en détresse. Nous avons gardé, nous avons un peu 50% de Timounio qui parle là parce que vu le problème, la violence qui a gagné dans le quartier, côté. Parce que et plus que 90% de monde que nous recevons là, environ 90% sont dans la zone Debussy, Turjo, Cité Gabriel, Cité Georges, Méléry, Desbois, Juvena, dans toute zone. Ça, nous avons seulement 10% qui sont peut-être Delma, Centre-Ville, quelque part. Mais l'école, c'est l'école vraiment, Timounio, sont dans l'environnement. Timon est vraiment en état de choc. Nous avons Timon qui n'est pas en train de mourir et qui n'est pas même enterré. Donc, son réalité est liée à la violence. Donc, les partenaires sont venus comprendre et puis peut-être que son cas pour des problèmes sont mieux adressés. Les partenaires sont résilients, les parents sont résilients, ils sont capables de faire un niveau salaire.
ou même en tant que responsable de l'école là, comment on voit résilience vraiment? Moi, je vais parler de résilience, c'est un mot qui est trop facile pour utiliser. Même quand on est que l'école là, c'est l'espace qui nous gagne pour fuir la violence. Là, on est dans l'école là, ils sont vraiment libres. Ouais, là, on est dans l'école là, ils ont couru, ils ont joué, ils ont jeunes amis, et peut-être que c'est thérapie, c'est l'appui qu'ils ont gagné. Donc, ce n'est pas une résilience. Résilience, ce n'est pas adapter à toute situation. Non, résilience, c'est dépasser la situation. Je ne vais pas parler de résilience là, parce que je ne vais pas dépasser. Donc, c'est, ça me connaît. Les gens qui ont un espace à l'école, yo, au moins pendant 4-5 heures de temps, ils fuient la violence, ils fuient le problème qu'ils ont. Donc, ça fait faut préserver l'école là, faut quitter préserver l'école là, faut aider sauver l'école là. Donc, bon. Donc, il y a une distribution de kits scolaires pour les gens. Nous avons des kits pédagogiques pour les professeurs. Sincèrement, je ne vais pas prendre ça là-dedans parce que je ne vais pas trouver un enfant. Donc, peut-être que je vais découvrir ensemble avec les gens. Il y a des kits pédagogiques, mais surtout promesse d'accompagnement psychologique. Et pour les professeurs avec les gens. Et c'est ça qui est plus important. Et dans l'appui que nous avons pour nous gagner. Donc, et après la violence, nous avons fait une semaine, pas de fonctionner du tout. Nous commençons avec moins que 25% effectif. Jeudi, nous arrivons à 50% effectif. C'est déjà un pas. Et yo là, yo content là. Et c'est ça qui est plus important, c'est que yo content là. Soubopal, représentante spéciale adjointe secrétaire générale Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, très profité pour mettre accent sur l'école comme institution qui est capable de contribuer dans le développement pays. Même avec la directrice République des États-Unis d'Amérique, là, Ulrika Richardson, quoi, faut gain accompagnement psychologique avec Timoun Sayo qui a vivre j'ai des moments ça chaque jour à cause violence des examens à faire dans divers quartiers populaires. On écoute Ulrika Richardson pour plus de détails. Bon, peut-être d'abord pour dire qu'on est là aujourd'hui, et je suis là particulièrement très contente d'être là avec monsieur le ministre et avec les équipes de UNICEF et pour dire que pour Nations Unies et on sait que la nécessité primordiale de maintenir les écoles ouvertes. Il devrait être dans chaque instant de n'importe quelle société, il devrait être l'institution qui ferme le plus tard, c'est le dernier à fermer et le premier à ouvrir. Ça, c'est primordial dans chaque société. Et l'école ici, quand on regarde la société en soi ici en Haïti, les points de socialisation, de rencontres conviviales entre les populations des communautés, ils sont très très limités à cause de la violence des gangs. Et donc l'école devient un point central dans ce sens-là, pour la cohésion, pour la réconciliation. Il y a un grand trauma et donc je salue vivement l'accord entre le ministère de l'Éducation et l'Association des psychologues d'Haïti pour avoir maintenant décidé d'avancer, d'améliorer la côté dans sa santé mentale dans les écoles. Ça veut dire les professeurs, les élèves, mais aussi les parents. L'école va devenir et devrait devenir dans une situation telle comme Haïti se passe aujourd'hui, un havre de paix. Le point où les gens peuvent se récupérer et se renforcer. Et c'est ça qui va, évidemment, ça va aider à accélérer la transformation vers la stabilité sociale et politique. Je salue aussi le EDUPOL. Avoir une police communautaire spécialisée dans l'éducation, c'est fondamental. Parce qu'eux, ils sont... Évidemment, ils sont des policiers, ils sont spécialisés dans les dimensions et les dynamismes communautaires, mais aussi de comment interagir, avec un professionnalisme avec les élèves et les parents et les professeurs. Et quand on a vu les incidents qui étaient, ce qui s'est passé ici, il faut vraiment savoir que c'est fondamental. J'ai vu les images, les visages des enfants quand on est entré dans les salles. Et ils ont vu l'EDUPOL. Ils n'ont pas souri quand je suis entrée. Le ministre, il n'y a pas tout le monde qui l'a reconnu. Mais l'EDUPOL, oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une confiance. Et cette confiance, c'est un traitement en soi. Ça veut dire que ça renforce et ça réétablit la confiance. Et c'est
énormément important pour les enfants. Nous avons continué avec information toujours. Nous avons continué avec information toujours éducation. Gagne une commission provisoire restructuration qui prend tête l'école droit et sciences économiques au CAILA. Rectorat de l'Université d'État d'Haïti a annoncé création d'une commission provisoire restructuration de l'école droit et sciences économiques au CAILA. Selon un circulaire, ça, rectorat a publié, commission gagne 4 membres. Qui est-ce que c'est professeur Faltinor Patrick Douillon comme coordonnateur, Clovis Bartol, coordonnateur adjoint des affaires académiques, Marcelo Jean-Louis, coordonnateur adjoint pour recherche, et puis Max Serge Daniel, qui c'est secrétaire général. Suite à l'annonce RIPTI, relation entre rectorat Université d'État d'Haïti et l'école de droit sciences économiques au CAILA, rectorat a annoncé une nouvelle disposition qui peut pour capable faciliter poursuite activité académique. Selon un circulaire sa rectorat publié, commission sa gain pour organiser délocalisation et sec dans un espace qui puis approprié prend toute disposition nécessaire pour capable faciliter rentrée académique plus rapide possible, préférence avant semaine universitaire, sauvegarder année études dans respect norme académique, assurer fonctionnement académique, administratif et financier et sec avec efficacité dans transparence, et commission sa gain pour soumettre tout bail rectorat. Yon plan restructuration qui a touché domaine académique, administratif, ak financier et sec, récupérer archives et sec et puis favoriser nan bay diplôme licence qui toujours nan rectorat et puis redonner ak et sec statut entité publique qui pour UEH lan Université d'État d'Haïti qui c'est un service communautaire au CAI ak département SID payant. C'est quelques attributions nouvelle commission ça n'a pas rappelé qui gagne plusieurs membres là-dedans. On nous appelle aux membres qui gagne dans commission ça gagne professeur Faltinor Patrick Douillon qui c'est coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint dans affaires académiques, Marcelo Jean-Louis coordonnateur adjoint pour recherche et puis Max Serge Daniel qui c'est secrétaire général. L'autre dossier dans le journal là, gen cabinet Patrick Laurent en tête collé ak Office Protection Citoyen qui lancé 10e édition Salon du droit qui déroulé dans hôtel dans Pétionville en baptême la justice administrative et la réduction de comptes dans l'histoire d'Haïti. C'est pour l'occasion pour différents intervenants discuter sous avenir droit en Haïti. D'après responsable parmi eux maître Patrick Laurent Anessa Tou organisateur ajouté deux prix du salon Younadeo c'est Ketli Julien qui remporté pour bataille la menée contre détention préventive prolongée. Ministre Justice là Emily Prophète qui t'a pris la parole dans circonstance là salie activité ça qui permet citoyen qu'a comprendre puis bien mission certaines institutions tant coup OPC coup supérieur des comptes la trier. Emily Prophète t'a profité fait éloge coup supérieur des comptes cap fêté 200 l'année yo année si là. Président de la Cour supérieure des comptes, là, qui tape joué le coordonnateur scientifique, activité si là, Marie-Nelle Tafetier, rappelé droit, c'est instrument qui est plus efficace pour modifier cette institution. La justice administrative et la réduction de comptes dans l'histoire d'Haïti, c'est un bel thème qui a aidé les sociétés à comprendre plus bien gestion l'argent de l'État avec obligation pour rendre compte. N'a pas quitté le dossier ça pour nous parler réaction sous mouvement ça qui lancé dans le pays d'Haïti depuis plusieurs semaines. Comportement autorité face à ce phénomène Boakale a prouvé pas de gain aucune volonté pour résoudre un problème de sécurité. D'après parti politique Chemin Délivrance, c'est l'escalade généralisé quoi est normal pour population lever campé pour défendre tête par rapport avec la faiblesse PNH là dirigeant politique qui souhaitait Boakale a passé prend autorité et tout d'après Céliska Jean-Élisée qui c'est une responsable Chemin Délivrance en coutel. Le gouvernement malgré disposition et moyens qu'il a à disposition yo pas jamais répondre pas jamais manifester de volonté pour yo mener des opérations et pour libérer de territoires de grands axes stratégiques que gang était occupé et afin que en façon de permettre que la population haïtienne ne rallonge. Ça fait plusieurs années depuis et ces gangs qui ont régné et tout le monde connaît
Ça fait combien d'années depuis nous tout a demandé en solidarité, au coup de main au niveau de l'international. Ça pas fait. Maintenant, nous venons comprendre avec la déclaration du Premier ministre là, et qui va renforcer par le directeur général de la police là, nous venons comprendre que effectivement, mon cap gouverneur pays a décidé de choisir quand. Et face à la situation ça, et nous même dans le chemin de l'Université Haïti que nous pas prêcher violence, mais le grand groupe monde qui vraiment depuis plusieurs années pas gain accès à quand et yo pas cavaquer librement. Donc, il a rentré la caillou pour assassiner yo et n'a pas dit et violer madame yo petite yo famille yo et voler tout bien que yo gagne et que jodi an yo décidé poser des actions pour que yo capable et libérer tête yo. Eh ben nous jeune ces même gouvernement ça qui est en montée au créneau pour dire que population pas gain droit défendre tête li dans façon ça. Et oui, yo pas ta gain droit et yo pas ta supposé à lyncher. Mais et qui comportement et gang yo konn gen les que gang yo kidnappé yo les que gang yo a violé yo il y a pas assassiné yo et qui comportement gouvernement et gagner qui action que manifester depuis date ça pour te faciliter que pour te empêcher que bah arriver dans niveau là et nous même nous penser que et comportement ça vinn permettre que nous vinn mandé population haïtienne là et kounya et face à déclaration ça faut yo armé de courage pour que yo attaquer et que ça Lionel Touyo capable briller le gang de Musso. Le gang de Musso, c'est gang gouvernement, gang et qui absolument pas communauté internationale là, qui assistait de gang et qui sont à Opoa, que le directeur de la police là, et qui gang groupe gang partout, puisque il y a pas jamais manifesté de volonté pour libérer le pays là, pour permettre que la population haïtienne n'a rien souffre. Je dis à nous, c'est eux-mêmes qui fâchaient pour et phénomène Boakale. Donc, mais parce que et ça c'est quoi Jean-Auteur a dit lui que autorité au failli avec mission yo donc citoyen yo yo décider prendre responsabilité yo pour capable et libérer communauté yo pour capable libérer pays yo donc moi pense que ça c'est conséquence de et faillite ou bien de ka dit effondrement de système et l'état institution yo moun k'ap diriger yo rapport à acquaintance que yo gagne ak de moun nan communauté internationale là pour mener pays vers un génocide et que a utilisé monsieur qui gagne nan men yo pour k'ap mener pays vers un génocide d'ailleurs ou elle doit être très clair avec la déclaration de ISO où elle dit que yo pas gagne jou pour débarquer dans n'importe communauté pour assassiner valet moun ki yo donc moi pense que c'est une occasion en or que le gouvernement ban nous, pour le ministre Ariel Henry, directeur général de la police à Bay, pour que la population haïtienne nan leve en une seule voix, en un seul homme, pour déchouquer le gang de Musso, pour déchouquer et ensemble moun qui dit en tête la police, dans le commandement de la police, et pour faciliter que nous mettions en place un gouvernement qui gagne de monde qui est responsable, de patriote, de monde qui gagne volonté pour vous et évacuer la situation que nous avons là. Parce que nous n'avons pas besoin de compter sur le gouvernement. C'est un prolongement de et gang armé, c'est un prolongement de gang qui est dans la communauté internationale là. Donc c'est et seulement en mission que vous avez, donc mission par l'autre que et mener le pays vers un génocide pour faciliter le débarquement des troupes étrangères et cap vina pour venir réunir en maître et seigneur vivre sa roule. Nous allons parler d'un dossier, amis internautes, qui concernait le secteur sous-traitance là qui affectait en pile. Secteur sous-traitance là, il a perdu presque 10 000 emplois dans l'espace 6 mois, soit entre septembre l'année 2022 et mois mars l'année 2023. Qui ça qui la cause? Tout le monde a perdu travail. Phénomène d'insécurité avec ratement gaz qui passe pas de répéter sous marché local. Ratement gaz qui passe pas de répéter avec insécurité qui a pas gravé chaque jour, mon Dieu, mettez-le. Après pandémie COVID-19 là, des conséquences terribles sous secteur sous-traitance textile. Dans septembre 2022, secteur textile a été employé 53 387 moun pour journée aujourd'hui, 53 697 moun. Dans l'espace 6 mois, sorti septembre 2022, arrivé mois mars 2023, secteur textile a perdu 9 692 emplois. Ça nous capable dans un tableau association Industrie d'Haïti publié. 75% perte emploi à cause
campé au TKP travail sorti septembre rivé novembre 2022 après à parc industriel Caracol TKP travail pendant 2 mois à cause d'un problème énergie électrique qu'il y a avec gaz qui pas de gain. ANAS t'est penché sur dossier ça pendant le souligner gain primature qui t'est prend en main dossier ça y a dans l'idée pour capable garder pays et pour garder capable garder entreprise ça qui c'est une plus gros employeur parc industriel Caracol qui t'est annoncé licenciement important. Une parc industriel qui plus affecté à cause de dégradation climat et sécurité là, c'est Digneron qui trouvait le Croix des Bouquets, situation zone France, Digneron pas bon du tout. Parc là est entièrement fermé depuis mois de novembre 2022. Entre-temps, il y a 2000 ouvriers environ qui pas joint accès pour aller dans parc là sans prendre en considération ramasseur produit non biodégradable qui estimé avec 9000 emplois indirects qui alimentaient usine recyclage. En conséquence, chômage là considérablement augmenté dans zone ça avec environnement pays dans tout pays li menacé. Nous espérons nan jou k'ap vini la proche ki nous espérons nan jou k'ap vini la nous capable reprendre opération sereinement et puis poursuivre réalisation projet yo qui en principe ta doit créer 12 000 emplois d'après yon nan responsable Digneron. L'autre dossier nous t'ai annoncé ça dans titre journal là, il y a plusieurs bureaux de transfert qui fermaient qui déjà fermaient porte dans commune Kafou et dans et l'autre yo pas ca fonctionner à cause yo gain difficulté pour yo capable bay l'argent bay transfert yo. Yo obligé tann yo éventuel renflouement question. Si ratement dollar gain en pile ratement dollar dans banque haïtienne yo à cause ça qui et contrainte autorité dans banque yo prend des mesures sous retrait en dollars et ben gagne bureau transfert qui au même toi fait face avec une situation difficile côté que gagne difficulté pour capable ba good si fait constat d'après constat reporter ou même tous amis internautes gagne en pile bureau transfert qui ferme porte yo gagne c'est fermé ou fermé porte yo mais ça qui l'ouvre porte yo yo gagne gros difficulté pour capable permettre avec monde qui vient chercher transfert yo gagne monde c'est de très tôt yo lever pour capable al prendre transfert yo en ligne dans les longues c'est en pile monde qui là ça qui dans soleil chaud ça qui attend yo tout vinn à ti moun yo pour capable joindre ti transfert proche voyer pour yo à l'étranger. Pourtant gouverneur général Banque Centrale là Jean-Baptiste Dubois t'a fait état bonne forme secteur financier en Haïti raté bien là et kounya la goudlan dans plusieurs agences transfert dans commune Kafou à quelques zones dans région métropolitaine là dit contraire par rapport avec parole et Jean-Baptiste Dubois t'a dit pour kounya là gain quelques bureaux transfert qui dans commune Kafou qui obligé fermer porte tandis que gain l'autre qui a fonctionné au ralenti en attendant yo joine l'argent pour capable mettre dans question pour permettre avec monde qui vient derrière l'argent pour capable joine l'argent. Jean nous t'a annoncé ça dans titre journal là gagné animateur émission Une voix dans la nuit sur Radio Lumière docteur Jean-Marie qui est assassiné dans la nuit de vendredi 5 pour l'ouvrir samedi 6 mai dans Onaville. Negaxam assassiné dans la nuit de vendredi 5 pour l'ouvrir samedi 6 mai dans Onaville animateur émission Une voix dans la nuit sur Radio Lumière Paul Jean-Marie. Radio Lumière Haïti 97.7 FM stéréo annoncé avec peine triste nouvelle assassinat yon grand supporter et puis ami institution. Badino na Onaville entré hier soir la caille Paul Jean-Marie qui donc vendredi soir yon éteint soufflé d'après sa responsable institution écrit sur page Facebook li. Radio Lumière souhaite courage à madame ni timouni avec tout monde qui affligé à cause départ si là. Gen an pile médecin qui obligé quitter pays à cause phénomène insécurité ça qui pas ka travail dans institution de travail. Médecin qui dans spécialisation médecin service responsable service spécialiste dans domaine rare dans l'hôpital universitaire centre de santé même j'en tourne dans clinique privée professeur en médecine professionnel santé haïtien qui était payé en grand nombre pour capable fuir climat terreur qui instauré dans examen instauré dans Port-au-Prince et dans quelques villes provinces principale victime yo c'est maladio qui condamné pour capable mourir.
Violence, criminalité gang yo affecté négativement secteur médical haïtien tant en quantité qu'en qualité tout. Payant chaque jour plus a perdu médecin, c'est pas mourir ou mourir mais plutôt yo quitter payant d'après docteur Jean Ardouin Luchol qui c'est secrétaire général association médicale haïtienne qui t'a parlé comme ça. Yo malade yo condamné pour yo capable mourir parce que yo pas jeune médecin qui pour soigner yo à cause tout climat insécurité hein médecin pas ka vinn travail non seulement médecin li pas ka vinn travail mais tout médecin yo obligé quitter pays hein. Gen médecin qui victime kidnapping tantôt yo obligé déménager à cause attaque nèg exam qui a multiplié dans divers quartiers dans pays hein. Dans contexte ça en pile là-dedans yo en pile dans professionnel santé yo qui quitter pays hein, certaines fois dans condition immigration irrégulière d'après médecin qui patan mezi pour bail un chiffre pour chaque spécialité yo yon fait certain c'est que gen pile médecin qui courir quitter pays hein, pour capable sauver pour yo avec famille. Zami internaute, c'est la journal la Kaba. La pour la, rappel titio, c'est dans quelques secondes. Détachement BLTS qui basé dans l'aéroport arrêté vendredi 5 Dominicains aéroport international Toussaint l'ouverture pendant au tapral dans pays Bahamas République Dominicaine t'a cherché ressortissants ça pour trafic drogue faux arc usage faux. La police dominicaine a annoncé arrestation yon ressortissant haïtien yeye ainsi connu. Autorité dominicaine yon présenté comme membre gang 5 secondes yon posé la patte sous lit dans secteur Padre Granéo dans Puerto Plata. C'est Paul Dafka, superviseur caisse à Kathleen Barochin, directrice opération dans Soje Bank, qui joue une arrestation yo pour détournement l'argent client banque là qui évalué 132 000 dollars vet. C'est direction centrale police judiciaire qui posait la patte sous yo. La police continue à sillonner zone en bas la ville nan. La police nationale continue à intensifier opération tout partout dans le pays. Dans le sens sa force l'ordre renforcée présence pendant tout week-end dans le village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées avec section Angelouan qui mobilisaient une série d'opérations qui visaient démanteler tout foyer gang qui établit base dans la zone ça et puis penser yon capable terroriser la population. À cause d'un mouvement Bois-Calais qui a pointé toi chaque jour, mon Dieu, depuis plusieurs semaines, gang yo senti yo paniqué, yo changé stratégie. Dernier temps, ça yo, quelques là d'ailleurs déguisé en machin qui a promené, ça pas empêché plusieurs membres de la population civile démasquer yo. Ka ki pi récent, c'est li enregistré dans meilleur temps pendant week-end nan. Gen directeur général Radio Lumière là, Sony Lamar Joseph qui confirmé nèg exam dans la nuit vendredi 5 pour le samedi dans Ona Paul assassiné Paul Jean-Marie qui était gen 67 l'année et qui était un membre personnel radio hein. L'étape travail dans radio depuis 20 l'année, il était animé émission Une voix dans la nuit. Rectorat Université d'État d'Haïti a annoncé création d'une commission provisoire de restructuration de l'école droit et sciences économiques au CAELA. Selon séculaire, sa rectorat a publié. Commission a gagné 4 membres là-dedans qui, parmi eux, professeur Faltino Patrick Douillon comme coordonnateur et puis gagné Clovis Bartol, coordonnateur adjoint des affaires académiques. Secteur sous-traitance textile perdit presque 10 000 emplois dans l'espace 6 mois entre mois septembre 2022 et mois mars 2023 à cause du phénomène d'insécurité. Et puis, ratement gaz qui passe suspend répété sous marché local. Là. Plusieurs bureaux transferts obligés de fermer porte dans la commune Kafou à cause et yon pas qu'à joindre assez liquidité en goud pour yon capable de transfert avec client yo. Gen la de yo, si yo ouvert porte yo, c'est un pile moun qui oblige lever bien bonnet pour yo capable vin chercher service. Zami internaute, c'est point sa ou ak divers les autres qui te fait essentiel. Premier paraître journal la matin. Un journal qui est arrivé possible grâce à Clévé Campé, toute équipe à salle nouvelle là, coordination avec rédaction Josué Belamour, micro-présentation Jean Wilner Sévère. Nous pas besoin de suspendre, continuez à abonner, like et puis partager page là pour capable pas rater aucune information. Divers journalistes nous là, correspondants nous là, reporters nous là pour capable faire vivre tout événement. Nous-mêmes, ces nouvelles nous bail, quel que soit côté nouvelle là, c'est nous-mêmes qui bail. Bon la journée tout le monde, rendez-vous demain matin à 6h pour une autre édition de nouvelles.